Alright, on arrête de faire durer le suspense, on y va? Attends, 2 secondes, tout le monde est prêt? Alright, on y va! Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications! Nous avons vu l'apparition du moteur Ford à explosion et de l'avion à réaction. Mais de toutes les inventions, c'est sans doute la bombe à neutrons qui nous laissa le plus d'agaces au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous fantois, devrait nous laisser tous gaga. Les missiles patriotes dirigés par ordinateur, Sony, Fuji et Macintosh, ce que lui dans les airs de roche, la guerre technologique fait rage, c'est un super média carnage. Attention, voilà les avions qui disent c'est l'heure de l'émission. 1990, c'est l'heure de la médiatisation. 1990, c'est l'heure de la conscientisation. Du jogging et de la cigarette, ne pas vendre nos beaux soldats américains qui sont là-bas, bronzés à la vitamine D. Nous irons vivre équilibrés, les morts qui seront faits là-bas seront en bonne santé, je crois. Les impôts du contribuable n'ont pas été payés en vain, la preuve en est, il est possible de ne jamais rater sa cible si on connaît le vidéo. Si on se pratique le coco, bientôt disponible au ghetto. Coïncidement qu'en Nintendo, 1990, c'est la socialisation. 1990, c'est la démocratisation. Quand tout à coup je me sens con, assis par terre dans le salon, je le fous bien, je suis un con. Heureusement que ma copine a soudain l'idée de génie de me toucher le porte-avions. Vite fait, je lui sors mon canon. Ça va chauffer, oui, mon amour. Je pointe mon radar à Ion en plein dans ta sortie de secours. Je vais larguer mes bombes, attention. 1990, j'ai mis ma participation. 1990, j'étais dans la coalition.
quand tu sais pas à quoi t'attendre, pis ça sort bien, là. Tu le prends.